Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message intemporel de ce mardi 16 juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite philosophie du matin, état d'esprit. Quand on passe son temps à geindre ou à se plaindre, il ne faut pas s'étonner ensuite d'être seul ou de ne pas avoir progressé. Changer d'état d'esprit et l'environnement changera. Ça veut tout dire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé célébrer l'échec. Oui, c'est difficile hein, de dire on va célébrer parce que on a échoué pour telle ou telle chose. Mais en fait, vous savez, un échec, on apprend. On apprend de ses erreurs et ça nous a appris. Donc, ce n'est pas un échec total. Ça vous apprend à ne plus commettre les mêmes erreurs. Tout ce que vous considérez comme un souci, comme une défaite ou une faiblesse, peut se percevoir comme un échec. Saviez-vous que la source considère l'échec comme un cadeau de la vie? La société actuelle n'enseigne malheureusement pas que l'évolution de l'âme, eh bien, se vit par différentes expériences qualifiées de tristes ou d'insurmontables. Et pourtant, vivre ce qu'on appelle un échec peut être très formateur. Il est vrai que votre ego en a pris un coup, mais il découvre bien assez tôt l'apprentissage si vous lui permettez de le voir ainsi. Évidemment, l'ego, lui, il n'aime pas les échecs. Hein? Il ne va pas reconnaître qu'un échec, eh bien, ça nous a appris. Dès maintenant, eh bien, méditez sur ceci. L'échec fait grandir. Il est une partie prenante du processus d'apprentissage et d'évolution. C'est en tirant des leçons de vos échecs que votre perception de leur utilité change. Dites-vous qu'il serait impossible de qualifier un succès si l'on ne connaissait pas l'échec. Sans l'échec, eh bien le succès serait une banalité ou une chose déjà vue. Tout échec, on apprend. Ça nous instruit. Petit rituel de l'échec. Peut-être que certains d'entre vous, vous vous demandez comment est-il possible de voir un échec comme un apprentissage. Eh bien, le fait de vous poser la question est déjà un grand pas. Et voici quelques pistes pour y arriver. Transformez la perception de votre échec en opportunité de succès. Et pourquoi pas écrire son histoire depuis le début et créer lui une fin heureuse. En deux, pour que la roue du mouvement puisse donner une fin heureuse à votre échec, eh bien, assurez-vous de passer à l'action dès maintenant, n'est-ce pas, en commençant par un tout petit pas. Et en trois, notez les événements de votre vie que vous considérez comme étant des échecs. Et puis, inscrivez les apprentissages ou les leçons
que vous avez retiré de ces expériences, c'est ce que vous conservez comme richesse en vous. Donc vous voyez, un échec n'est pas un échec total. On peut célébrer l'échec parce qu'il nous aura appris. Il nous aura fait grandir. On ne recommencera plus de cette façon-là. Nous sommes encore ici, en apprentissage. Magnifique message. C'est vraiment un oracle vraiment pour travailler sur soi. C'est magnifique. Magnifique, comme je dirais à ma petite fille. Alors, je termine avec la pensée positive. Je reconnais que la solution simple est la meilleure solution. La croissance spirituelle est rarement le résultat d'avoir surmonté des difficultés. Elle survient quand on a trouvé la manière simple. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous embrasse. À demain.